Le prince William a remis à Luther Blissett, ancien attaquant anglais, le titre d'officier de l'ordre de l'Empire britannique, Hob. Pendant la cérémonie, le prince de Galles a fait quelques confidences à l'ex-footballeur. Le mari de Kate Middleton a expliqué pourquoi il n'avait pas pu marcher pendant une semaine avant le couronnement du roi Charles III. Le prince William était fringant, chic et surtout très élégant lors du couronnement du roi Charles III. Aux côtés de Kate Middleton et de leurs enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte, le royal était tout simplement parfait lors de cet événement historique à franc succès. Pourtant, le prince de Galles a révélé qu'il ne pouvait plus marcher pendant une semaine avant la cérémonie. Qu'y est-il lors d'une cérémonie d'investiture au château de Windsor qu'il a fait ses révélations? Pendant cette cérémonie, le prince héritier a remis à Luther Blissett, ancien attaquant anglais, le titre d'officier de l'ordre de l'Empire britannique, Hob. Notons que l'ancien footballeur a été récompensé pour les services qu'il a rendus au football ainsi que pour ses actions caritatives. Après qu'il ait reçu sa récompense, l'ancien joueur de Watford a partagé les échanges qu'il a eus avec le frère du prince Harry. Le prince William avait notamment confié à l'ancien athlète qu'il n'avait pas pu marcher pendant une semaine à cause de ses exploits au football avant le couronnement. Il m'a dit qu'il avait joué au football la semaine dernière et qu'il n'avait pas pu marcher pendant une semaine. Il dit qu'il joue toujours à 11, avait confié Luther Blissett. Prince William, il remet une haute distinction à une icône du sport anglais. Luther Blissett est l'un des footballeurs les plus en vue pendant les années 70 et 80. D'ailleurs, il a été le premier footballeur noir à marquer un coup de chapeau pour l'Angleterre, selon Mirror. Actuellement, l'ancien footballeur de 65 ans est le parrain de l'association Sporting Memories dont l'objectif est d'utiliser le sport pour libérer les souvenirs des personnes atteintes de démence, de dépression ou de solitude. Luther Blissett a déclaré qu'il espérait que ce prix lui ouvrirait de nouvelles portes pour aller plus loin dans son travail. Il travaille actuellement avec des vétérans dans ce cadre. À propos de l'auteur Ivan Xu derniers articles et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans, ce qu'il a fait du corps dépasse l'entendement. Jeremy Renner au bord des larmes, j'ai décidé de, il revient sur son dramatique accident dans.